Cécile, la gérante du Savoir Vivre. C'est un chalon-thé que j'ai ouvert il y a bientôt 3 ans pour pouvoir offrir sans prétention un endroit plein de douceur, un endroit zen, calme, où on peut consommer des choses uniquement faites maison, il n'y a rien d'industriel. Et voilà, c'est simplement un chalon de thé tout simple avec pas mal de poils qui traînent partout. J'adore tous les animaux, les chats y compris, et ils ont été récupérés pour ouvrir cette enseigne. Ils viennent tous de la rue. Il y a 8 chats qui viennent de la rue, donc ils étaient tous dans des conditions de vie un petit peu précaires. Et ils sont arrivés ici, c'était des tout petits loulous, ils ont grandi, ils sont installés, ils ont pris possession des lieux. Et c'est ce qui fait le côté un petit peu atypique et unique de cet endroit. Et il fait ce qu'il veut. Et ça donne une sacrée leçon d'humilité aux gens qui arrivent en disant « Ah, je vais avoir un câlin, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. » Et en fait, non. C'est le chat qui décide. Et ça fait pas de mal à l'être humain de temps en temps de se dire « Je vais attendre un petit peu, je vais faire connaissance, je vais prendre mon temps. » Et puis, quand la personne a vraiment compris le concept, le chat, il arrive. Et puis, il est prêt. Il est prêt pour partager un petit truc bien sympathique.